balle qui traîne devant la cage d'Ambri Piotta. C'est pas terminé avec le tir du poignet de Burnley. Et le but ! La réussite signée Tim Burnley. Déjà son quatrième but de la saison au jeune défenseur de 19 ans qui a été lui choisi en 2018 par les Blue Jackets de Columbus. Très très loin aussi, hein, 159e position. On va voir, là, il cherche la ligne de tir, il se déplace. Et Manzato en veut un petit peu à ses défenseurs et peut-être même surtout à Jelovac, hein, qui peut-être touche même ce puck. On trouve Plastino, le tir de D'Agostini, le but ! Et c'est un partout ! Réussite signée de Matt D'Agostini, son cinquième de la saison au powerplay, son septième au total. Et Ambri revient un partout grâce à son jeu de puissance. Pas décisif pour Plastino. Fleur est battu côté mitaine. Et il doit. D'Agostini, très bonne passe pour Offert face à Fleur. Le but ! À 2 minutes 39 de la fin de la période. Et c'est donc Ambri Piotta qui mène 2-1 maintenant grâce à Fabio Offert. Son sixième but de l'exercice. Et le deuxième point de la soirée pour Matt D'Agostini. Un puck perdu par Peterson sur la ligne bleue adverse. Très bonne vision du jeu de la part de D'Agostini. Et Offert qui termine le travail. Il va coucher Flueller, aller sur son revers. Et il s'en veut Flueller. Regardez avec la mitaine. C'est les défenseurs. Blidenbacher le tire. Le but ! La réussite est signée, Séverine Blindenbacher sur le premier tir en direction de Manzato. C'est de partout à 5 contre 4 avec Hollenstein, Gehring et le tir sur réception. Et le superbe travail devant la cage de Markus Krüger. Regardez Manzato, il ne voit absolument pas non plus une surprise. Attention, ouais, cette rondelle est au fond du but. Elle est au fond du but. Mais est-ce que le but va être accordé? Alors sur la glace, on l'a donné. Ça doit être Bodenman. Puck sous un travail de nos, ça c'est sûr. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans la zone du gardien. Les deux capitaines sont appelés. Elias Bianchi pour Ambri et puis Patrick Gehring pour Zurich. Alors, derrière la cage, c'est Krüger, on a Bodenman. Alors, c'est sûr que le puck est derrière Manzato à la fin. Mais là, il y a quand même aussi un Bodenman qui pousse tout le monde. Ngoy sur Manzato. Le puck...